Et salut, c'est pour un nouveau épisode sur Destiny. Donc là, j'y vais. Alors. J'y vais là. Campagne, le sort de Kaya. Le sort de Kay. On va essayer. Une partie. Pas grave, je lance. Allez, c'est parti. Voilà. Ok. C'est le chargement. Pour comprendre où nous sommes aujourd'hui, il n'y a qu'un seul point de départ. Cade 6. Cade 6 était l'avant-garde des chasseurs. Cade 6 était aussi leur mentor à la tour. Il avait le goût du risque, était un membre des squads fiables. Et un ami précieux. Il avait un don pour remonter le moral de ses camarades, même dans les pires situations. Nous avions de lourdes responsabilités sur les épaules. Il faisait de son mieux pour alléger ce fardeau. La dernière mission de Cade consistait à empêcher une évasion dans la prison des vétérans, au récif. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Ok. Allez, c'est parti pour un tour. Voici le centre de sécurité. Nous ferions mieux de sécuriser la zone avant d'entrer. Ok. 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 Alors. On a fait la zone. C'est. Alors. Ok. Ça dit qu'il faut un niveau d'accréditation de Jolie. D'accord. Pour ouvrir la porte. Cade ? On l'occupe, la promotion arrive. Ok. Il y a une chose aux libertés. Tout près d'ici. Ok. Chose, c'était des déchus avant de devenir comme ça.
peux pas avancer. Je peux pas avancer. Les déchus ne sont pas devenus comme ça tout seul. Quelqu'un leur a fait ça. Ok. Objectif atteint. Vous avez manqué une magnifique prestation. Allez. Il ne manque plus que le coup de grâce. Qu'est-ce qui arrive au plancher? Ah, la ruche salit tout ce qu'elle touche. Dégagez-les de là, vous voulez bien? Allez. Voilà. On est ok. En même temps, hop. Oui, parce que je m'améliore mon arme là. Saleté de la ruche nettoyée. Maintenant, ça devrait marcher. T'es sûr? Pensez à vider la mémoire tampon. Oui, évidemment. Juste un truc. Comment on fait? Appuyez sur le bouton rouge. Ils sont tous rouges. Ouais. Alors appuyez partout. Ouais, appuyez partout. J'arrive pas à croire que c'est marché. Personne ne me bat ce jeu. Oubliez ce que je viens de dire. Ça n'a pas marché. Pas de panique, on s'en occupe. Allez-y. Allez, viens, mon gros. Ouais. Bon, je vais... Zardé noir, pour de vrai, cette fois-ci. Et allez. Allez. Ok. Et ne te relève pas. L'assistance technique, version démolition. Bon, tout est bien comme il faut. Ok. Et ça me demande quand même une sorte d'activation secondaire. Non, mais sans blague. Il devrait y avoir un terminal utilisable sur les passerelles. Je serais bienvenu avec vous, mais apparemment, il y aurait des tourelles dans le coin et j'aimerais bien les utiliser. Ok. Au fait, on fait une bonne équipe, tous les deux. Je m'occupe de cette porte. Ah ouais. Là, j'y avance. Oh, les tourelles ont un mode manuel. Intéressant. Ben. Alors, vous pensez quoi de mes nouveaux flaques? Mais ça, moi, j'aime bien. Toujours la Petra, on va vous ouvrir un chemin vers le quartier de haute sécurité dans un instant. Bien compris. Je m'en charge, l'ami. Vous inquiétez pas. Ok. Ouh, ça, ça va être intéressant. Là, ça me dit quoi, là? On y va. Il y a un peu les murs.
Et... Ok. Vous avez des infos à me donner? Bien. Voilà tes infos. Je reconnecte le système de sécurité. Allez, vas-y. Vous pouvez passer maintenant, Petra? Oui. Allez. J'accède au niveau inférieur. Je dois juste vérifier 2-3 trucs et puis on pourra partir d'ici. Ok. Tant que c'est vous qui payez. Oula. Chargement. Là, t'es sûr, on se tape une cinématique. On dirait que l'affaire est classée, les jeunes. Je vous paie les ramène. Ok. Une petite prison, hein. Tout semble en ordre par ici. Je dois juste vérifier un dernier truc. Ok. Pas une mutinerie, mais plutôt une évasion. Le sas au pont zéro. Siba, c'est le seul moyen de sortir. Ils vont s'échapper. Pas si j'arrive avant vous. Ouais. Ok. Là, c'est la charge. Ah, je me suis jamais senti aussi bien. Donc là, j'attends. Genre la cinématique. Vous avez vu ça, Petra? Petra? J'ai dû dégommer les relais de communication à l'atterrissage. Et balancer la musique sinistre. Ouais. Ok, tout le monde retourne dans sa cage. J'ai dit, tout le monde dans sa cage. Et voilà, de l'action. Pas mal le coup là.
Désolé, pour rien. Non. My God. Voilà. Ah ouais. Ok. Maintenant je suis en colère. Ah bah bon. T'étais pas en colère avant? C'était tout ce temps. Vous êtes capable? Apparemment. Tu peux m'aider, la copine? Oh, le spectre. Pute de spectre. Voilà. Ça, c'est moins cool. Prospect, il ne peut plus revenir à la vie. Cher As, je rentre à la maison. Oh my God. Je manque où? Petra? Que se passe-t-il? Répondez, Cade? Eh, content de vous revoir. Nous avons fait une chute d'une vingtaine d'étages. Et je n'arrive pas à contacter Cade, ni Petra. C'est pas cool. Ok. Ok, je vois. Okay. Allez. Et meurs. Ok. D'accord. Non. La spectre de Cade. Elle est morte. Cade est mort. Oh, on se retape une cinématique. Moi aussi je tousse.
peu gênant. T'aurais pas un flingue à me prêter? D'accord. Non. Mais j'ai une balle. Avec ton nom écrit dessus. D'accord. Mon partenaire va débarquer d'une minute à l'autre. Et vous allez tous mourir. Qu'il va mourir. Tous. Quant à toi. Ok. Ça va faire mal. Très mal. Un dernier mot. Ouais, un dernier mot. Comment va ta sœur? Voilà son dernier mot. Et voilà, il est mort. Largement. Là, chargement en cours, tu vois. Nickel. Cade est mort. Pour Uldren, Cade n'était qu'un obstacle sur sa route. Mais pour nous, la mort de Cade fut dévastatrice. Elle ravagea notre escouade et plongea la dernière cité dans le deuil. Uldren connut un destin tragique. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Ok. Putain, j'ai un chat dans la gorge. Un spectre du nom de Lueur l'a ressuscité. Et Uldren, ayant perdu ses souvenirs, s'est rebaptisé Corbeau. Corbeau. Au début, l'avant-garde a bien tenté de lui cacher sa vie passée, ainsi que les crimes d'Uldren, mais... Le corbeau n'est pas Uldren. Avec le temps, nous avons compris que ce qu'une personne décide d'être est plus important que ce qu'elle a été. Ouais. Ok. Encore tant de chargement, tu vois. Alors, par contre, j'ai un truc à voir. Allez, on part sur la tour. Chargement encore. Désolé que je tousse. Ok. Donc là, je continue. Êtes-vous prêt? Faites-en bon usage. Un soldat bien préparé est un soldat victorieux. Ouais. Alors. Vert. Coller. Coller mitrailleur. Faites-en bon usage.
Faites en sorte de distribuer les coups plutôt que de les recevoir. Nous ne nous laisserons plus jamais prendre par surprise. Ok, ça... Hop. Alors... Ça... Dites-moi que vous avez du nouveau. Affirmatif. Rien à signaler. Voilà. Les délais... Les murs nous protégeront de nouveau. La grenade. Mais ça... Ouais. Savatoun est morte. Ok. J'aimerais pouvoir croire qu'elle le restera. Voilà. Donc là. Ah, ça me dit. Nous pouvons changer les choses, non. Je le sais. Quête. Les ombres gagnent du terrain, gardienne, mais notre lumière brille toujours. Et Imagine. Je sais qu'Ikora a la situation sous contrôle, mais rappelez-lui qu'elle peut compter sur moi si elle a besoin d'aide. Quête. Non, ça c'est bon. Ok. Rien pour la campagne. Vraiment, c'est bon. Et ensemble, ça... nous pourrons surmonter tout ce qui se dresse sur notre chemin. Ok. Ça, ça dit quoi? Nous pouvons changer les choses, je le sais. Ensemble, nous pourrons surmonter tout ce qui se dresse sur notre chemin. Voilà. On est ok. Je suis ok. Là, le moment, c'est bon. Donc,
Les ombres gagnent du terrain, gardienne. Mais notre lumière brille toujours. Quoi ? Destination. M'en fous. La prochaine fois, je ferai celui-là. La Space. Je sais qu'Ikora a la situation sous contrôle. Mais rappelez-lui qu'elle peut compter sur moi si elle a besoin d'aide. Je vérifie tout. Nous pouvons changer les choses, je le sais. Non, par contre, je regarde autre. Eh bien. Pas une copine qui apparaît. Ah. Oh, ça compte. Le cote. Ouais, bah c'est bon. De toute façon, ça va être la fin. Voilà. Moi, je vous dis surtout à bientôt.